À une cinquantaine de kilomètres de Mogadiscio, une piste de fortune. C'est le seul lien entre la capitale de la Somalie et le reste du monde. En descendant du vieil Antonov venant de Djibouti, le passager est accueilli par des slogans publicitaires vantant les bienfaits de la Barakats Bank, dont les fonds ont été gelés par le gouvernement américain et ses alliés, comme étant la filière de financement des réseaux terroristes d'Ouslama Ben Laden. Des miliciens mercenaires attendent pour escorter et, au cas échéant, protéger les nouveaux arrivants, car en Somalie, l'enlèvement et les meurtres d'étrangers est une chose courante. Mogadiscio. De la ville, il ne reste pas grand-chose. Ici, on s'est battu pendant plus de 10 ans entre clans ennemis, chacun voulant étendre son influence, son territoire. 4 clans ennemis qui se sont affrontés à l'arme lourde, au corps à corps. 10 ans de tueries quotidiennes, de viols, d'assassinats d'innocents. Après avoir chassé les Nations Unies dans de sanglants affrontements, Nations Unies venues en Somalie pour aider la population qui meurait de faim et de soif, des centaines de milliers de femmes et d'enfants sont maintenant livrés à eux-mêmes, à la violence quotidienne, des clans. De ces maisons, de ces marchés grouillants de nourriture, du palais présidentiel de l'ancien dictateur marxiste Siad Barre, qui fit de la Somalie une base soviétique pendant une vingtaine d'années, de l'Assemblée nationale, de la cathédrale, il ne reste plus rien. Rien que des lignes de front où les milices guettent l'intrus. Mogadiscio est maintenant divisé en 4 secteurs, 4 secteurs de ruines et de camps de réfugiés, dont un où règne un gouvernement provisoire contrôlant quelques hectares de la ville. Ici, c'est le chaos. Les armes, encore les armes, sont le seul langage connu des bandes armées. Nul autre pouvoir n'est reconnu. Pourtant, il y a eu des traités de paix, des réunions interafricaines pour faire sortir ce pays de la tourmente. Encore il y a quelques jours à Nairobi, on parlait de paix. Mais depuis, le premier ministre présent aux négociations interethniques a été destitué au profit d'un général. Qui pourrait être mieux à sa place qu'un général dans la portion de la ville qu'il est censé faire contrôler par ses miliciens? J'ai vu sa tête, je l'ai raté. Et les deux autres qui étaient sur le mur, est-ce qu'ils ont tiré? Faites attention, nous ne sommes pas encore arrivés. Ne me filme pas, toi. Ce ne sont pas des gens de Mogadiscio, ce sont des gens armés qui s'imposent dans cette ville, ce sont des étrangers qui nous ont tiré dessus. Ils ne veulent absolument pas que vous les filmiez. C'est mauvais pour eux. Ils ne veulent pas que vous puissiez les voir. Pourtant, le discours du gouvernement provisoire et de ses alliés se veut rassurant. Vous pouvez voir vous-même qu'en Somalie, un être humain peut vivre sans problème. Nous sommes un pays civilisé, où l'on peut vivre comme bon vous semble. Vous êtes devant moi, et rien ne vous arrivera. Vous pouvez aller où vous voulez, vous êtes libre de vos mouvements. Ça fait partie de nos traditions. Il n'y a pas de problème de peau, ni de problème de religion. C'est comme ça chez nous. Dans le secteur du gouvernement provisoire, un hôtel qui abrite les dignitaires. C'est la fête, irréelle dans un monde aussi démuni de tout. C'est la fête des chefs de clan, ou plutôt, de ceux de cette administration transitoire. On regarde les chaînes d'information internationales.
on commente les dernières nouvelles sur l'Afghanistan. Pour les ministres, on croit en la paix en Somalie, en la réconciliation nationale. On assure lutter contre le terrorisme, si terrorisme il y a. Le ministre de l'Intérieur de ce gouvernement a même créé, m'a-t-il dit, une section antiterroriste. Il admet pourtant que son pouvoir est limité au territoire qu'il contrôle. La baraka de banque, on n'accuse pas sans preuve dans un état de droit. Nous attendons des preuves du FBI. Non, c'est une manipulation. Une manipulation américaine qui veut venger ses Marines morts à Mogadiscio. Une manipulation contre la Somalie. Mais quelle Somalie? Des provinces ont fait sécession et dans le reste du pays règne le chaos. L'inflation est galopante et la planche à billets a marché à fond. Cet argent ne vaut plus rien. Dans les faits, les billets émis ne valent plus rien. Même pas pour les habitants de Mogadiscio. Mais ils les gardent. Qui sait, un jour, tout cela s'arrêtera peut-être. Dans l'hôtel, transformé en place forte, impossible de sortir sans escorte. La porte reste infranchissable. Yes. So you can go outside. So I can go outside. Yes, without the security. So come with me. Okay, I come with you. Okay, come with me. Il reste à Mogadiscio la Ligue des droits de l'homme, représentée par une Somalienne, alors que toutes les ONG ont quitté le pays après les menaces de bombardements américains contre les États ou régions censés abriter des camps d'entraînement liés au groupe Al-Qaïda de Ben Laden. Une exposition de peintures d'artistes somaliens vaut plus que n'importe quel discours. D'ailleurs, la présidente ne veut pas parler. What do you think from No, he's not. You are afraid? Yeah. From what? I am afraid the art government. Mohamed Mouaïdine Ali est journaliste. Il a été menacé par le gouvernement pour la parution d'un de ses articles. Mais heureusement pour lui, il n'habite pas dans la même zone que celle des autorités transitoires. Nous avons publié cette information dans le journal Panorama, ainsi que dans d'autres sites d'information sur la Somalie. Au mois de juin 2001, une délégation taliban est venue à Mogadiscio. Il s'agissait de deux religieux. Ils ont été reçus par le ministre de la Communication, M. Zakaria Mahmoud. Ils lui ont transmis des documents venant du Mollah Abdul Hanan. Attention Philippe, ne filmez plus. Il faut demander la permission. Dans le quartier du Barakat Market, le nouveau centre de Mogadiscio, au milieu des ruines, des immeubles imposants, ceux des sociétés Amal et Somali Telecom impliqués aux côtés de la Barakat Bank. Celle-ci a reçu beaucoup de fonds privés venant de l'Arabie Saoudite et gère à son profit l'argent envoyé par la diaspora somalienne de l'étranger à leurs familles restées en Somalie. Ce gel des avoirs de la Barakat Bank peut avoir des répercussions catastrophiques pour certains Somaliens qui ne survivent que grâce aux fonds que leur envoient parents et amis réfugiés hors de Somalie. Mais la Barakat Bank, selon Washington, est la vitrine officielle d'un groupe islamiste très proche d'Oussama Ben Laden. Bush, George W. Bush. Ouais.
Is this W. Bush? Yes. Tony Blair. Give me your opinion. No. Ce groupe, Al-Ittihad al-Ismailia, est devenu, depuis 1996, un véritable groupe armé avec des structures solides qui sont dénoncées par l'Éthiopie qui a lutté contre ces milices en Ogaden. Dans le marché, ce qui frappe en premier, c'est le nombre important de femmes voilées. Pourtant, la femme somalienne n'a jamais porté le voile. L'ambiance, soudain, se tend. La caméra est devenue indésirable pour beaucoup. And you think like that? I'm ready to fight in American and British. Yeah, you are ready to go. Yeah, I have to go and Afghanistan. Yes. Now I'm ready. Yeah. Okay. All the Somalia, all Somalia believe that Osama bin Laden is a Muslim, and we support it. Every Somali support Osama bin Laden. Osama bin Laden is a Muslim. Okay. Gender by gender, we are support and Osama bin Laden by moral and material, and we are ready to death by him because he is a Muslim man. And so we are ready to fight Afghanistan and Britain and Christmas. Si on continue à tuer les Afghans, nous allons tuer les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de Ben Laden? Il défend la religion et les infidèles le cherchent pour le tuer. Al-Qaïda est meilleur que nous. Yes. Somalia. Somalia. More Somalia support Al-Qaïda faction. What do you want to say? Mais il existe à Mogadiscio un quartier où on ne peut pas aller. C'est celui des fondamentalistes musulmans. Un quartier impénétrable, même pour beaucoup de Somaliens. A small area belongs to the government before it was a government land. Now after the government of Siad Barre when he had called and he went out of the country, these people they had accumulated and they took all the land. Yeah. So they built a big mosque. They can kill you. Why? Because it's a place where they don't want nobody to come over there until they know that someone is coming. They don't want nobody to come over there. And they get the help from three places, Saudi, Dubai, and Iran. Yeah. These three people are giving them some money so that they are giving to the poor some food and something like that. They don't want any other people to go over there. It's so difficult to go over there. You can go, but you have to go. You have to take a long procedure. Yeah. A long procedure. You have to go to first to Olympic, yeah. And ask them, and they will give. They will ask you so many questions. Yeah. Again, you have to go to Barakat, yeah. And then again they will ask you, yeah, so many questions. Again, you have to go to Nation Company. Yeah. Again, they will going to give you another questions. Yeah. So that after they will decide you, they will tell you after 3 or 4 days come back, so that they will decide and see what you are doing. And what you want to do, so that that time they will accept or not. Mais le travail de la Barakat Bank ne s'arrête pas au financement du terrorisme. Il y a des relais d'associations caritatives, des ONG qui, sur le terrain, font du bon travail, soignent et s'imposent face aux Occidentaux de plus en plus déstabilisés en Somalie. Car des attaques contre leurs locaux, pillages et prises d'otages ont été leur lot quotidien. Des Somaliens travaillant pour eux risquent leur vie, comme cet homme travaillant pour l'aide internationale contre la faim qui a été exécuté dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes aux urgences de SOS Children. Ici, on attend pendant des heures les médecins débordés. Le principal problème actuellement, c'est la sécheresse. Dans cette ville, on meurt de déshydratation, de diarrhée et d'anémie. Ce sont les enfants qui les premiers trinquent. Dans cette salle de soins,
les enfants ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ici, l'espoir ne fait pas partie du vocabulaire. Sur la trentaine d'enfants soignés, une dizaine seront morts ce soir. C'est une nouvelle catastrophe humanitaire qui menace. Plus de 300 000 Somaliens sont actuellement en danger de famine. Avec le manque d'eau, les récoltes se sont faites rares. Un autre quartier de la ville, d'autres clans qui s'interposent, un incident, des menaces, encore des menaces. Puis, par chance, on nous laisse passer. Ces quelques gravats, ces carcasses de chars abandonnées en pleine mer, ces ruines sont ce qui reste du quartier général de l'ONU à Mogadiscio. Des patrouilles motorisées circulent. Il faut garder le terrain si chèrement gagné et faire régner son ordre. Malgré les combats acharnés, les habitants de Shingani sont restés là. Ils n'ont jamais voulu partir. Ils se sont terrés pendant les affrontements. Puis, un semblant de paix revenu, la vie a repris. Ils sont des milliers à habiter ces ruines du quartier des ambassades. Des milliers à survivre sous l'œil des miliciens armés. Des milliers à avoir faim et soif. Les enfants récupèrent dans les trous et les gravats tout ce qui peut servir à la vie de la famille, au risque de leur vie. Car, de temps à autre, on entend une détonation. C'est une mine qui vient d'exploser. Nous avons besoin d'aide de la Croix-Rouge et des Nations Unies en urgence dans notre quartier de Shingani. Ici, tout est détruit. Les femmes et les enfants ont besoin d'aide. On n'en peut plus. Dans l'ambassade de France, des familles se sont installées. Elles sont privilégiées car, par miracle, l'immeuble tient encore debout. Il n'y a plus à Mogadiscio une seule représentation diplomatique. Plus aucun contact avec le monde. Plus rien. Pourtant, la Somalie est représentée à l'ONU. Le président du gouvernement provisoire y a même fait un grand discours il y a quelques mois. L'ambassade des États-Unis. Ici, dans ce quartier de la capitale, pas une ONG, personne. Aucune aide ne vient. Les habitants ne peuvent compter que sur eux-mêmes. On n'a rien à boire, nous n'avons pas d'aide. Mes enfants n'ont rien. Nous avons dû fuir et refuir les combats. Nous sommes les Benadiri. Nous n'avons pas pris les armes. Nous n'avons pas participé à cette guerre. Nous avons fait que la subir. Nous en avons assez. Nous demandons de l'aide au monde. Il faut que les milices puissent être désarmées. J'espère que Dieu nous ramènera un gouvernement honnête, que nous pourrons vivre en paix et que les autres gouvernements du monde pourront nous entendre. Nous sommes des pauvres, nous voudrions travailler. Nos garçons sont devenus des vagabonds, ils glandent. Ils sont dans la rue devant leur porte à rien faire. Personne ne nous donne rien. En ce moment même, alors que je vous parle, je n'ai rien à manger. Life G, Shushan. What? Shushan, life G, Shushan.
Je n'ai pas pu aller à l'hôpital. I am not blind. Every day is sitting. I'm not problem very well. No, no money, no job, no work. Qui vous a blessé? Pour ne plus souffrir, je prends de la colle à bois. Et qui a tiré sur vous? Je me suis fait avoir dans la zone gardée par les hommes de l'ancien président, Halim Haïd. Une réunion de sages Benadiri. Les Benadiri, cette minorité somalienne, n'a jamais pris des armes par conviction religieuse. Ils sont de croyances soufistes. Les soufistes sont des musulmans, mais ils ne croient pas que la violence, la djihad, peut faire avancer leur foi. Ils étaient des marchands, des intellectuels. Ils ont réussi à garder leur identité malgré les massacres que tous les clans réunis dans une même haine ont commis contre leur communauté. Mais leur survie tient pour beaucoup aux exilés qui sont aux États-Unis, en Europe et aux Émirats arabes unis. Ils tentent de créer une opposition aux clans et lancent des appels à l'Occident qui pour l'instant sont restés lettres mortes, pour la simple raison qu'ils ne représentent pas une force militaire, qu'ils n'ont pas de milice à leur service. Dans la misère, même à Mogadiscio, il y a différents paliers. Nous voici dans un camp de réfugiés. Ils viennent de tout le pays croyant que, dans la capitale, ils allaient pouvoir avoir la paix et manger à leur faim. Ils sont parqués indifféremment dans tous les secteurs de la ville. Ils se sont dressés des huttes dans lesquelles ils tentent de survivre. Ne pouvant aller dans un centre de soins, cet homme, qui s'était blessé à la jambe, est allé voir un guérisseur qui l'a opéré. Depuis, il est paralysé. On m'a ouvert la jambe avec un couteau. Mes pieds, mes jambes, ce sont ce fauteuil. Je ne peux pas vivre sans lui. Moi, je connais cette ville, je ne connais de cette ville que le marché et le camp de réfugiés. Regarde ce fauteuil, il ne marche pas. J'ai demandé à ce qu'on me le répare, mais ça n'a pas été possible. Il faut le faire. Il faut le réparer. Sur ces visages marqués par le désespoir, l'incompréhension, la lassitude, il n'y a plus rien qu'une détresse profonde. Que faire pour ces gens qui, depuis des années, souffrent tant? Que faire de ces chefs de guerre, de ces fondamentalistes religieux qui se complaisent dans le chaos qui règne en Somalie? Un avocat international demeurant à Djibouti, Maître Mohamed Aref, a déposé avec son gouvernement un projet aux Nations Unies. La création d'un tribunal pénal international pour les crimes de guerre en Somalie. Comment entraîner ces chefs de milice devant une instance internationale? Là est la question. Comment trouver une solution politique dans ce pays oublié de tous et livré à la sauvagerie et à tous les extrémismes? Comment sortir la jeunesse de ce piège qu'est l'obscurantisme religieux, la haine de l'autre?
Autant de questions auxquelles la communauté internationale devra répondre un jour prochain. Car depuis le 11 septembre, celle-ci ne peut plus fermer les yeux sur les misères du monde. Allez-vous-en, 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 laissez-nous travailler, allez-vous-en. Tout est le camp, hein, laissez-nous travailler.